cette femme vraiment, elle va m'écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée de louange et adoration. Elle va m'entendre. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on la met à côté de moi, elle prie toujours en anglais? Quand on est dehors, on parle lingala. Mais quand on est à l'église, c'est l'anglais. God, 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 God. Je vais maintenant m'entraîner pour parler l'anglais. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier en anglais. Ah, Seigneur. God, praise the Lord. You are wonderful. You are almighty. Chilobo. Oh. Yes. Mukombozi wangu. Eh, mukombozi. Eh. C'est ça, Swahili, hein? Give me a big car. You are wonderful. You are poundful. You are green. You are chilobo. You are mukombozi. Mukombozi za. Za Swahili. You are chimankinda. Yes. Yes. You are green. You are almat. Almat. Yes. Moyengemeni na bayengemeni. Oh, Seigneur. You are green. Green. Power. Powerful. Green. Oh, God. You are successful. God, give me a strong to pray. To pray. Every day. Thank you, God. Amen. Maman, là, tu priais. Oui. En anglais. Oui. Mais l'anglais, c'est l'université. Parce que là, j'attendais des pandoufoules. Pandoufoules. Yes. Ah, mais pourquoi? Pourquoi Mama, tu veux me prier en français? Je suis décidée maintenant de prier en anglais. Pour quelle raison? Tu vois la maman là qu'on met, qui est toujours à côté de moi. Tu oui, la connais, non? Oui, on est venu. Oui, oui. Il n'y a oui, pas oui, longtemps qu'on est venu ensemble. Ah. Nous sommes arrivés ensemble dans cette église. Oui, oui. Mais chaque fois qu'elle est à côté de moi, elle veut toujours prier en anglais. Mais si elle se sent à l'aise en anglais, où est le problème? Je ne crois pas qu'elle connaît l'anglais. C'est pour ça que moi aussi je vais prier en anglais pour l'impressionner. Moi je dois l'impressionner. Je vais l'impressionner. Donc, tu étais en train de faire les exercices? Non, j'ai prié. J'ai prié pour, tu vois, aujourd'hui c'est le louange d'adoration, non? Oui. Oui. Donc pour que ce soit, tu pries en anglais? Oui. Pour impressionner la sœur? Pour l'impressionner. Maman, écoute, on ne va pas à l'église pour impressionner les gens. À l'église, on va prier. Maintenant, toi, tu pars pour impressionner la sœur qui parle en anglais, franchement. Mais tu ne peux pas impressionner les gens. Tout ce que tu fais pour Dieu. Tu as besoin d'impressionner les gens. Même quand tu chantes, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Même quand tu pries, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Prie dans la langue où tu te sens à l'aise. Chante pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes, maman. Yes. Là déjà, tu parlais des pandoufoules. C'est en quelle langue? Pandoufoules. En anglais. Non, ça n'existe même pas en anglais. Pandoufoules, ça n'existe pas. Nous, maman, à partir d'aujourd'hui, va laisse cette sœur la prière en anglais. Hein, elle se sent à l'aise en anglais. Tu peux même prier en djilouba. Oui, même en lingala. Même en français, tu pries dans la langue où tu te sens à l'aise. Ne cherche pas à impressionner cette sœur-là. Si elle fait ça pour impressionner les gens, c'est son problème avec son Dieu. Mais toi, va à l'église. Hein. C'est pour Dieu, pour toi et pour ton Dieu. Et non pour impressionner les hommes. Ça va, maman? Merci, maman. Mais tu es devenue forte à l'anglais quand même. Il faut dire au protocole, elle n'est plus la mettre à côté de moi. Oui, faut, je vais dire à maman Rosalie. Ok, d'accord.
Merci maman. Merci. Je te bénisse. Ouais.